Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois pour partager avec vous la dernière actualité de la semaine qui s'achève. Voici au préalable le menu de ce journal. L'Assemblée nationale a planché durant ce week-end sur l'examen d'un projet de loi portant révision du règlement intérieur du Parlement mauritanien. La coalition Vivre Ensemble de Kalamidou Baba déclare prendre acte de la levée de l'état d'urgence et de la libération de certains détenus politiques à travers un communiqué rendu public ces dernières heures. Nous ne sommes pas demandeurs dans un quelconque gouvernement ni d'un gouvernement d'union nationale, mais plutôt d'un pacte moral et politique, a tenu à préciser dans un entretien Biram Dia Abeid. Bonsoir et merci de me recevoir chez vous pour suivre notre compagnie, la grande édition dominicale du week-end. On revient tout d'abord sur l'action publique sur le plan régional qui aura marqué la semaine avec cette main tendue au G5 Sahel qui pourrait amorcer un virage important dans une nouvelle configuration avec la CEDEAO dont le sommet est prévu le 14 septembre prochain à Ouagadougou sur la question sécuritaire. Un élargissement qui passerait de 5 à 17 pays du Sahel à l'Afrique subsaharienne si le projet se concrétise. Un pas de géant dans la lutte contre le terrorisme islamique et un espoir de paix pour les populations. Comme on le sait, la question sécuritaire est une œuvre de la longue haleine et nécessite à la fois des moyens humains et matériels. Le G5 Sahel n'a ni l'un ni l'autre. Malgré les efforts déployés depuis 2014 pour combler ce déficit, les 5 chefs d'État du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad n'y arrivent pas. Ils ont tapé à toutes les portes pour venir à bout des djihadistes qui semblent mieux connaître le terrain. Après plusieurs tergiversations, l'Union africaine vient de répondre favorablement en impliquant les Russes dans l'équipe militaire des soldats africains. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers la puissante CEDEAO qui tient son sommet le 14 septembre prochain à Ouagadougou pour étudier la possibilité de la CEDEAO d'intégrer le G5 Sahel. Ce serait une extension de la force antiterroriste qui multiplierait par 17 la puissance de la frappe. Cet élargissement pourrait apporter un nouveau souffle à la force conjointe et avec cette nouvelle force humaine et matérielle. Les Africains pourront assurer leur propre défense de sécurité, ainsi tous les pays seront mis à contribution, francophones, anglophones, lusophones et arabophones, pourront parler le même langage de guerre contre les deux plus grandes organisations des djihadistes qui ont pignon sur rue dans le Sahel et toute l'Afrique de l'Ouest, à savoir l'ACMI et Moujaou. Au plan national et dans le domaine de notre corporation, la semaine qui s'achève aura aussi été marquée par les travaux à Nouakchott d'un atelier sur l'autocensure et la déontologie professionnelle dans le domaine du journalisme. Cette rencontre d'une journée organisée par l'Association des journalistes mauritaniens visait à permettre à 60 journalistes de la presse publique et privée de discuter des mécanismes permettant d'élaborer une charte d'honneur pouvant être approuvée par tous les journalistes. Compte rendu, Mamadou Seydouba. Dans le mot qu'il a prononcé au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et de Relations avec le Parlement, le Dr Ahmed Ouluba Oulassid Ahmed a indiqué que la matérialisation de la stratégie politique mise en place dans le domaine a permis ces 10 dernières années une mutation dans la liberté de la presse. Il a affirmé que la presse est invitée à prendre ses responsabilités à travers la surveillance de tout ce qui est écrit et publié dans les organes de presse afin que le professionnalisme et la déontologie restent la lanterne que guide le journaliste dans sa recherche de la vérité. Le secrétaire général a aussi précisé que la presse joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement, l'instauration de la quiétude, de la sécurité et de la stabilité dans le pays, avant de souhaiter voir cette rencontre aboutir à la concrétisation de ses objectifs. Le président de l'Association des journalistes mauritaniens, M. Moussa Oul Behli, a précisé que cette rencontre de concertation vise, entre autres,
a créé un terrain d'entente et un climat favorable aux discussions permettant aux journalistes de s'entendre sur une charte d'honneur acceptée par tous. Nous recevons justement à ce sujet en direct sur notre plateau notre confrère M. Jedna Deida, journaliste du quotidien de Nouakchott, bien connu dans la sphère francophone et qui a bien voulu se joindre à nous en vue de nous éclairer un tant soit peu et un journaliste chevronné sur la problématique. Bonsoir cher confrère et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Quelles sont tout d'abord vos impressions sur le compte rendu de Seydouba qui nous rapporte dans son élément filmé le satisfecit du secrétaire général du ministère de tutelle durant l'atelier et qui affirme que la décennie passée a été satisfaisante? Écoutez, pour juger de qualifier et évaluer la décennie précédente, cela dépend évidemment du bord dans lequel on se place. Bon, s'agissant des journalistes, en tout cas de la presse indépendante, de la presse privée, que je suis censé représenter ici, la décennie a été marquée par beaucoup de problèmes, c'est-à-dire des arrestations, des mises en examen, la rétention, la saisie des documents de voyage, et donc, je pense que l'évaluation qui a été faite récemment, cela nous donne au moins une soixantaine de cas de violation de ces libertés de médias. Et donc je pense que le compte est beaucoup plus loin que celui qu'on présente officiellement aujourd'hui. Vous avez vous-même été confronté dans l'exercice de votre fonction à des obstacles face à l'autorité et même privé de liberté et de vos documents pour être sorti des sentiers balisés. Vous êtes donc bien placé pour faire des formulations à ce sujet et surtout la question de l'autocensure qui fut le thème principal de cet atelier. Écoutez, je pense qu'un journaliste professionnel, on doit toujours avoir comme pierre angulaire la responsabilité sociale. Vous dites un peu, c'est vrai que dans notre cas, malheureusement, nous avons été toujours des souffres-douleurs pour les autorités. Chaque fois qu'il y avait un blocage politique ou un problème politique déterminé, les journalistes étaient inquiétés parce que les journalistes critiques étaient inquiétés pour leurs opinions ou pour les reportages qu'ils pouvaient faire à l'antipode des positions officielles. Donc forcément, dans une certaine mesure, nous avons été dans le collimateur du régime pendant toutes ces 10 dernières années. Et en même temps, nous avons essayé, tant soit que peu, d'être professionnels, de ne pas vraiment mélanger les gens et d'être un peu responsables s'agissant des questions qui sont cruciales pour le pays, sans toutefois nous compromettre ou sans forcément jouer le jeu des autorités. Ne trouvez-vous pas qu'on assiste en ce moment à la création d'une panoplie d'associations dans la corporation des médias et qui n'ont aucun écho, sinon de servir de caisse de résonance ou qui font redondance d'ordre établi? Écoutez, je ne vais pas dire beaucoup de tracer un tableau encore plus sombre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations professionnelles aujourd'hui, comme il y a beaucoup de médias aussi, tant audiovisuels, presse publique ou privée, presse écrite, électronique. C'est-à-dire que vraiment pour le public cible, il y a beaucoup de médias, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Cependant, comme vous le dites si bien, très souvent les organisations professionnelles servent beaucoup plus de cartes de visite pour certains, je ne nomme personne, mais très souvent elles n'ont pas d'apport réel ni sur la situation, les droits matériels des journalistes, encore moins sur le combat proprement dit. Et quand on regarde par exemple la dernière décennie, les derniers, et ce n'est pas véritablement un exemple, c'est-à-dire le rang de la liberté de presse dans le monde arabe. La Mauritanie a même connu un certain recul, justement, à cause de ces histoires de violation des droits des journalistes. Merci beaucoup, merci de votre disponibilité. Nous étions avec Jedna Deida, merci de votre disponibilité. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous recevons sur ce plateau notre confrère Jedna Deida au quotidien de Nouakchott l'Authentique qui nous entretenait sur la problématique de l'autocensure du journaliste et qui avait fait l'objet d'un atelier cette semaine à Nouakchott. Merci, messieurs.
On continue de feuilleter notre journal et comme je le soulignais en préambule de ce journal, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a également tenu ce week-end une réunion consacrée à l'étude et à l'examen d'un projet de loi sur la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cette occasion, Will Bey, son président, a déclaré que le nouveau système vise à harmoniser son système interne avec la constitution mauritanienne. Il vise en outre à moderniser et développer les mécanismes de travail des organes, simplifier la procédure législative avec des textes simples et efficaces vu que la Mauritanie est désormais composée d'une seule chambre représentative. L'Assemblée nationale a une indépendance financière et administrative. Le nouveau règlement stipule l'instauration d'un système électoral par acclamation en cas d'unanimité entre les groupes politiques. Enfin, la classification des sessions parlementaires a été révisée en incluant les sessions extraordinaires et l'adoption de votes électroniques traités des discours de haine et la propagande de nature raciale. Un tour dans l'arène politique nationale pour souligner que la coalition Vivre Ensemble, issue de la mouvance communautaire nationaliste, qui a soutenu la candidature de Kan Hamidou Baba à l'occasion de l'élection présidentielle du 22 juin 2019, déclare prendre acte de la levée de l'état d'urgence et de la libération de certains détenus politiques à travers un communiqué rendu public. Nous apprécions la mise en liberté provisoire de nos militants qui étaient détenus à Alègue depuis le 27 juin 2019 suite aux arrestations tous azimuts corrélatives à la période post-électorale, peut-on lire dans la déclaration. Le document salue également la libération de notre collègue Ahmed Oulwadia comme rentrant dans le cadre de mesures de nature à contribuer à l'apaisement du climat politique. Nous ne sommes pas demandeurs dans le gouvernement à venir ni d'un gouvernement d'union nationale, mais plutôt d'un pacte moral et politique, a précisé l'ex-candidat à la présidentielle de juin 2019, Biramda Abed, dans une partie de son entretien sur la station de nos confrères de Sahel TV. Il a rappelé qu'il apporte ici une précision limpide sur une idée que certains détracteurs ne cessent de véhiculer dans les rangs des populations. Et seul un dialogue sincère avec les quatre ex-candidats de l'opposition et au cours duquel tous les problèmes qui intéressent les Mauritaniens seront débattus dans le but de trouver des solutions définitives, a-t-il souligné. D'ailleurs, notre reconnaissance du futur pouvoir dépendra de l'évaluation qui sera faite des discussions entre lui et l'opposition que nous représentons, affirma le député. Il a signifié que l'assainissement de la scène politique doit se faire sur des discussions claires. Hors de nos frontières à présent, pour noter que selon une ONG tunisienne, le nombre de migrants arrivés dans le pays a été multiplié par deux en un an entre le premier semestre 2018 et celui de 2019. La quasi-totalité des migrants arrive dans le pays par la frontière libyenne située à l'est de la Tunisie, comme l'illustre cet éclairage de Fofana Issa. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux est l'association qui a lancé l'alerte sur cette soudaine augmentation. Le nombre d'interceptés est passé de 417 pour le premier trimestre 2018 à 1008 le 1er septembre 2019. Ce nombre, qui ne comprend que les personnes interceptées aux frontières, pourrait bien être largement supérieur, d'autant qu'il n'est pas exclu que demain, des migrants trouvent refuge en Tunisie pour fuir les combats qui s'intensifient en Libye. Depuis début avril, les combats s'intensifiant, particulièrement autour de la capitale Tripoli, a mené à une situation sécuritaire qui est une menace pour les civils et également pour les réfugiés. Cela encourage de nombreuses personnes qui sont poussées dans leur désespoir à entreprendre une traversée de la Méditerranée en bateau. Cet afflux de migrants, la Tunisie ne pourrait ni le stopper à la frontière, ni le gérer ensuite avec la capacité d'accueil du pays. En fait, la Tunisie n'a pas la capacité de recevoir un grand nombre de réfugiés ou de migrants. En ce moment, les capacités d'accueil sont dépassées. Seulement 36% des 2,5 millions $ que le Haut Commissariat aux réfugiés avait demandé ont été reçus. Il n'y a plus d'investissement dirigé vers les programmes aux réfugiés. Un geste de solidarité qui devra attendre. Réunis à Helsinki cette semaine, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne n'ont pas su se mettre d'accord sur un mécanisme de solidarité concernant l'accueil des migrants.
Dimanche de sport, dimanche de foot, discipline reine qui fut l'événement incontournable sur le continent et même au-delà durant cette semaine avec la finale de la CAN 2019 qui a vu sacré champion d'Afrique ce vendredi soir au Caire après leur victoire face au Sénégal 1-0. Les Fennecs qui ont été accueillis en héros en Algérie ce samedi dès l'atterrissage de leur avion dans l'après-midi à l'aéroport d'Alger. Une vraie fête salvatrice en cette période de tension politique, comme en témoigne ce reportage de Fofana Issa. En effet, les joueurs de la sélection nationale algérienne sont arrivés ce samedi 20 juillet dans l'après-midi à l'aéroport d'Alger. Une délégation conduite par le Premier ministre Nourdine Bedoui les attendait, mais surtout beaucoup de supporters. Les joueurs de l'équipe d'Algérie sont montés à bord d'un bus à Impérial qui a pris la direction du centre d'Alger. Il leur a fallu presque 5 heures pour atteindre le palais du peuple où ils ont été reçus officiellement par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé que la médaille du mérite serait attribuée à toute l'équipe après la victoire qu'il a considérée comme de la valeur historique ajoutée au sport algérien. Encadré par des motards, des véhicules de police et de gendarmerie, le bus des Verts a pourtant eu beaucoup de mal à parcourir la vingtaine de kilomètres qui séparent l'aéroport d'Alger-Centre. Au total, les Verts ont passé plus de 5 heures sur le toit du bus qui les transportait à travers la capitale ce samedi au milieu d'une foule de dizaines de milliers de personnes sur une vingtaine de kilomètres. Cette foule, très mixte et très familiale, était venue en espérant voir les Fennecs, en espérant pouvoir les remercier pour les joies procurées par la victoire. Mais l'affluence a plutôt provoqué des mouvements de foule. Plusieurs supporters ont même été blessés. Des dizaines de milliers de supporters étaient massés le long de l'autoroute et sur les grandes places du centre-ville pour espérer voir passer les héros de la soirée du vendredi. Comme la veille pour le match, les Algérois sont venus en famille avec des enfants, avec des amis, chacun avec un drapeau, un maillot ou un peu de maquillage vert et rouge sur les joues. L'objectif pour eux, c'était de faire la fête avec les Fennecs et avec Djamel Belmadi, l'entraîneur. Un entraîneur que beaucoup de supporters espèrent voir rester à la tête de l'équipe pour quelques années. Si l'attente a été longue, la joie, elle, a été de courte durée. Près du palais du peuple, à la fin des premiers parcours des Verts, les supporters étaient très déçus de n'avoir pu apercevoir qu'un bout de la tête du capitaine Riyad Mahrez. Un exploit mérité et une fierté, le roi Mohamed VI a chaudement félicité l'Algérie après sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en dépit des relations difficiles entre Rabat et Alger. Dans son message adressé au président par intérim Abdelkader Ben Salah, Mohamed VI a félicité le peuple algérien frère pour la victoire bien méritée des Fennecs qui ont battu le Sénégal 1-0. Vendredi au Caire, qualifié par le souverain d'un exploit footballistique continental. Partie très tôt du Caire, l'équipe du Sénégal est-elle arrivée à Dakar en milieu d'après-midi ce samedi 20 juillet. Après un court bain de foule à l'aéroport de Yoff, les joueurs et leurs entraîneurs se sont engouffrés dans un bus pour rejoindre leur hôtel. C'est en silence, en saluant les fans, sans faire de déclaration, qu'Aliou Cissé et ses joueurs ont traversé la foule avant de monter dans le bus. L'heure est tôt aux célébrations, mais l'avenir de cette équipe nationale est particulièrement d'Aliou Cissé et dans toutes les causeries. En célébrant leur lion, les supporters sénégalais ont en tout cas montré leur fierté envers ces lions qui ont fait un travail exceptionnel. Ils ont prouvé qu'ils seraient toujours derrière les lions et qu'ils comptaient sur cette équipe pour les futures compétitions. À présent, un sujet moins stressant et surtout plus léger que les émotions procurées par la politique et le sport. Et pour cela, retour donc à Nouakchott pour rappeler que nous sommes de plein pied en été où le thermomètre oscille entre un minimum de 30 degrés, voire 40 par endroit. Une chaleur à la fois moite et humide qui nous rappelle aussi que nous sommes à l'approche de la saison d'hivernage avec bientôt son lot d'eau stagnante, de prolifération d'ordures et de mouches relevées de nuit par des essaims de moustiques. Au moment où on suffoque en ville, le front de mer devient le lieu de prédilection de bon nombre de nos citoyens. En effet, la chaleur fait prendre d'assaut les plages de Nouakchott, qui sont du coup bondées de monde. Hommes et femmes de tout âge viennent souvent y passer la journée ou les après-midi, surtout durant le week-end.
Certains seront en voiture particulière, en taxi, en moto, parfois à vélo, voire même à pied. On se relâche donc en famille, entre amis ou comme ce duo solitaire pour arrêter le temps et s'offrir un moment propre à soi, parfois jusqu'au crépuscule où le coucher du soleil vient tout de même nous rappeler que le temps ne s'arrête pas et qu'il faut, après les rêveries d'un week-end, revenir à la réalité du quotidien. C'est sur cette page de détente que nous nous apprêtons à refermer ce journal. Mais avant de le clôturer, un retour sur le sommet. L'Assemblée nationale a planché durant ce week-end sur l'examen d'un projet de loi portant révision du règlement intérieur du Parlement mauritanien. La coalition Vivre Ensemble de Kane Hamidou Baba déclare prendre acte de la levée de l'état d'urgence et de la libération de certains détenus politiques à travers un communiqué rendu public ces dernières heures. Nous ne sommes pas demandeurs dans un quelconque gouvernement ni d'un gouvernement d'union nationale, mais plutôt d'un pacte moral et politique, a tenu à préciser dans un entretien Biram Dia Abe. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend enfin la présente édition que j'ai pris plaisir à vous présenter. Vous pouvez revoir cette édition à minuit, temps universel, ou la consulter sur notre page électronique dont l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Merci de votre aimable attention et bon début de semaine à tous. À bientôt.